Il était une fois une montagne à près de 4807 mètres. Son village, Saint-Gervais. C'est l'histoire d'un sommet légendaire qui fait rêver le monde entier. C'est l'histoire des habitants de cette vallée. C'est l'histoire de passionnés, d'une nature riche et sauvage, de grands espaces de liberté. C'est également une incroyable histoire humaine, un amour passionné d'alpinistes aux péripéties mouvementées entre l'homme et les éléments. C'est un livre aux nombreuses pages exposées par un musée. La légende raconte qu'au royaume enchanté, il y a bien longtemps, au sommet du Mont Blanc, les reines fées, déesses blanches, virevoltaient au gré du vent, dans une douceur paradisiaque. Elles envoûtaient et gardaient auprès d'elles tous les érudits qui naïvement avaient osé s'approcher. Le 8 août 1786, c'est la conquête. Paccard et Balma percent le mystère de cette légende et atteignent le rêve. C'est l'exploit de toute une vallée, tout un pays qui grave l'histoire.
ascension qui t'apportera argent et gloire. Marie Paradis, à bout de souffle, les jambes coupées et mangeant le linge par poignée, et traînée et portée par ses amis Balma et Payot. Allez, un effort, le sommet n'est pas si loin. Et elle force notre mari. Le 14 juillet 1808, elle sera la première femme en haut du toit de l'Europe. C'est la gloire d'une héroïne malgré elle. Par la suite, Marie restera la fée des ascensions, du danger et de la joie du voyage, en accueillant les alpinistes conquérants. Alors, on regarde les sommets, on tourne les têtes vers la droite. Là-haut, le courage, la fraternité de la cordée, cette altitude qui fait tourner les têtes, l'immensité des décors à couper le souffle. Apprécier ce sentiment incroyable de se sentir vivant. Voilà ce qui fait rêver les hommes à travers le monde. Voilà ce qui unit les guides de Saint-Gervais depuis 1864. Et voilà ce qu'ils offrent depuis des années à tous ces rêveurs de sommet.
sur la vallée en toute puissance. Il est le gardien de bien des histoires et de bien des secrets au plus profond de ses entrailles glacées. Souvenez-vous, en 1950, la tragédie histoire du Maladar Princess. Un avion s'est écrasé et provoque l'émotion dans toute la vallée. Bien des péripéties bousculeront les secours. We'll be right back.
Yeah.
Ce spectacle vous a été offert par le service culturel de Saint-Gervais. Merci à toute l'équipe Arvi. Merci également à la compagnie des guides Saint-Gervais. Un petit salut.